Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Total War Three Kingdoms pour l'épisode 11 avec la campagne de Zheng Jin, la reine des bandits. Donc la dernière fois, on avait continué un petit peu à s'étendre dans le nord, on s'était emparé d'une province. Et j'ai fait une petite île de quelques tours, donc j'ai pas fait de conquête. Pour m'avancer au sud du fleuve jaune, donc pour essayer de m'établir une petite tête de pont là-bas. Donc là, mon but, c'est de m'occuper de la province de Dong occupée par Pei Yuanshao, donc troisième génération de la faction Yuanshao pour ceux qui ne se rappelleraient pas. Et là actuellement je suis en guerre contre lui, j'ai un allié qui m'a rejoint, mais étant donné la puissance de mon allié, je ne vais le laisser faire et je vais me retirer sagement. Donc vous voyez son armée, c'est du pécor, mais ça devrait aller. Et notre alliance, notre coalition avec Cao Cao et Liu Bei s'est transformée en alliance militaire, donc je me suis dit pour sécuriser au mieux, on verra ce que ça donne. Alors que Kongrong s'en va vers l'ouest. Donc on va voir ce que ça donne un peu. Ah, une des armées de Pei Yuanshao est en train de se. Donc si on s'empare de la ville de Dong, ça sera parfait. On aura une province capitale ici. Et on pourra essayer de la défendre comme on peut. Avec une armée ou deux, ça devrait suffire. Alors attention. Alors attends. Des ordres altés, ces imposants murs, ouais. On va péter les murs. Alors, donc, c'était régional. Donc, on a réussi notre opération. Du coup, normalement, je pense qu'avec ce qu'on a. Bon, ça va être une victoire de justesse, mais bon. Là, je me permets de la faire. Nous serons entendus partout. On va faire pas mal d'argent avec ce siège. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cochon de pierre, exécution. Ils m'ont résisté et doivent être châtiés. Poisson d'argile, je l'exécute, allez. Ils ont choisi leur destin. Bien. Que voulez-vous, Altesse? La cité de Dong nous appartient. Là, on a un bonus d'expérience et de coût de construction agricole. On va en profiter. Là, par contre, je peux pas. Est-ce que je pourrais l'améliorer tout de suite? Ouais. Je vais faire ça tout de suite. Ici. Je regarde un petit peu, on a une mine de fer. Mais je pense qu'un bâtiment pour la construction, c'est pas mal. On va faire un petit peu de construction immédiate. Voilà. Là, je vais pas y toucher. Et là, je vais booster ça. Hop là. Et en plus, ici, on a un port de pêche. Donc ça va être pas mal. On aura de la nourriture supplémentaire, donc c'est plutôt cool. Et nos armées pourront se reposer un peu. Donc, je vous rappelle que la province de Dong est occupée aussi de cette mine de fer. Essayons de voir avec le Duché de Chou. Ah non, on va essayer de négocier avec lui. Gondou. Lui, il est à l'autre bout du monde, ok. Je vais essayer de négocier. Alors, qui c'est qui voudrait la paix ici? Alors, lui, j'essaie de discuter avec. Faites vite. Je préférerais que cela soit terminé. Hop, comme ça, lui avec vos lui. Conditions sont acceptables. Ça c'est fait, lui ouais, bon, on s'en fout. Donc voilà. Ensuite, agissez bon, là on a nos unités qui sont bien tenues, c'est cool. Altesse, pas trop de dégâts dans la cécité. Tout va bien. Ah oui, c'était avec. On va essayer de racheter la province, mais je sais pas combien ça nous coûterait. Négocier. Juste la racheter, ça me suffit. De bienheureuses nouvelles. Je lui demande juste un territoire, donc c'est Dong. Alors. Province de Dong. Ah, c'est lui. Mince, je me suis planté de sens, évidemment. Ok. Qu'est-ce qu'on veut ça me coûterait? 12,9. Non, non. On va essayer d'attendre un petit peu. On va voir comment réagit Pei Yuanshao, déjà. S'ils remontent vers nous à toute vitesse, donc ça sent bon. Là, je vais me mettre en embuscade. Zheng Jin est dans la cité avec son armée principale, donc normalement, la cité régionale de Dong ne devrait pas subir de problème. Je regarde un petit peu où j'en suis, chef des bandits.
Il manque plus que 7 points quand même, hein, pour être chef des bandits. C'est plutôt pas mal. Et après, il faudra être reine des bandits, impératrice. Bon. Il y a encore du chemin d'ici là, mais on pourrait y arriver. Là, c'est quoi? C'est un bureau de prestige, je vais le garder aussi. Et on va essayer de se garder un peu d'argent pour monter la cité au niveau 5. Donc, en particulier à Taiyuan, vu que c'est pas loin de la province de Chie. Et Yamen, ça serait parfait. Donc là, c'est plutôt bien fortifié dans l'ensemble, sinon. Mais bon. Après, si on peut avoir les moyens de fortifier ces bâtiments, c'est encore mieux. J'ai une mission de conseil, je vais l'invoquer. C'est quoi? Lever une armée. Ouais. Surpopulation, ok. Allez, on va faire ça dès que possible. Là, on va juste passer le tour. Donc là, ils sont en train de... Alors, les armées se retirent petit à petit, ça c'est cool. Donc là, si dans cet épisode on pouvait arriver à devenir chef des bandits, ce serait pas mal, hein, je pense, en bonus, donc au niveau du statut. Ok. Donc on se refait un peu d'argent. Pei Yuan Shao est un vestige du passé. Les 9 distinctions. Une autre faction reçoit les 9 distinctions. Bon présage pour 5 tours. Morale plus 3. C'est toujours utile, j'ai envie de dire. Je réponds à votre Ici. appel, Qu'est-ce que je Altesse. peux faire? Je pourrais encore améliorer ça. Mais bon, c'est pas vraiment utile à l'heure où nous parlons. Mais je vais essayer de négocier avec le lycée de Shu'an. Salutations. Juste la province de Dong, quoi. Si tu me donnes juste la mine de fer, je veux bien. Ça va me coûter combien tout ça? Et si j'ai changé quelques auxiliaires, tiens, j'y pense. Ok, une belle monture. Il y a des partisans qu'on ne se sert pas. On va voir comment ça réagit. Il y en avait un que je voulais garder. Non, toi, je te retire. La formation en coin de cavalerie, c'est tellement utile dans une armée. Troquer, ouais, accessoire. On va essayer ça. Et on peut encore en avoir un. On va faire ça déjà. Oh! Mais tu sais quoi, le 4,3, on va le garder. Et Merci. voilà. Donc on a gagné un territoire diplomatiquement, ça c'est cool. Ça nous permet encore d'augmenter nos revenus. Et je vais essayer de faire pareil. Alors c'est avec quelle province? La ville de... Oh, la capitale du Hedong, si j'arrive à l'obtenir dans le nord, ce serait parfait quoi. Bienvenue, camarade. Alors, combien me demanderait? Et donc... Ouh ouais, ça va être très cher. 69,1. Non, 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 là ça va être trop cher, on va pas se le cacher. C'est mort. Donc déjà, au moins, on récupère une province complète au sud du fleuve jaune, via la conquête et la diplomatie, ce qui est plutôt cool. Bienvenue, Altesse. Et là, je vais monter ça pour gagner un petit peu plus de sous. Je vais sauvegarder quand même. Et je me demande si je vais pas essayer de faire ça pour certaines cités dans le nord. Alors lui, je sais pas si je peux le faire, mais je vais quand même essayer avec Kongron. Comment pouvons-nous nous entraider? Combien il me demanderait juste pour la BI? Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi toi? Port de pêche de... J'ai oublié, c'est Kongron, mais j'ai plus le nom. Attends, c'est quoi ça? C'est Bohai. C'est pas une capitale. J'ai Bohai, mais bon. Ah, voilà. Comment tu me... Ouf. Ah ouais, t'es gourmand, toi. Il veut quoi? Attends, c'est lequel? Ouais, Liu Beiping, t'as raison. Non. On va essayer de voir un peu avec d'autres si qu'on peut racheter. Donc, Oui, parlez. échelon des territoires. Alors, commanderie Peiyuan, commanderie contestée, Yu Beiping. Si tu me files le port de Pocomer, ça me coûte trop cher. Ouais, ça a coûté cher. Bon, pour le moment, on va oublier.
Si on peut récupérer quelques territoires via le commerce, pourquoi pas après tout. Bon. Pour l'instant, bah, je vais peut-être augmenter la vitesse de construction de ce bâtiment. Hop, on gagne un peu de sous comme ça. Et voilà. Bon, je suis plutôt content. Bon. Si donc pouvait tomber d'une manière assez particulière, ça serait cool. Comme ça, on pourrait récupérer la ville pour nous, si on a de la chance. Donc là, pour le moment, on n'a plus de conflit. Alors, de toute façon, des fois, on a des guerres, on ne sait pas pourquoi elles viennent. Alors. Alors, il y a de la guerre qui se déclare. Bon, ça ne nous concerne pas directement. On va regarder un peu ce qu'on a. Alors, niveau réforme, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, c'est quoi comme unité qu'on gagne ici? Arbalète à répétition, influence commerciale plus 4. Ouais, ça peut être intéressant. On va le faire. Si on a une meilleure influence commerciale, ça fait plus de sous, logiquement. Donc, bon. Je vais pas cracher dessus. Ici. Le Teishan, il n'y a pas une montagne pas loin? Non. Mont Teishan, non. En option, ok. Toi. Rassemblez tout le monde. Il nous faut un plan. Donc là, on pourrait passer, mais bon. Pour la Chine. Là, si seulement l'autre il pouvait faire une connerie, sortir de du groupement, là, on serait pas mal. Y sommes-nous vraiment réduits? Je vais réessayer un truc, mais. On devrait te contester. Si tu me donnes juste Yu Beiping, je te fous la paix, mon gars. 26, hein. Je vais essayer avec des auxiliaires, mais bon, ça me paraît compliqué. Monture. Partisan, toi, je te garde. Accessoire, on en a quand même pas mal. Ça, je peux garder. L'objet, j'en ai besoin. Trop que ça. Toi aussi. Ok, ça fait combien? Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Un petit peu d'argent et un petit échange de nourriture. Par 22, faut pas déconner non plus. Alors, 3 de nourriture. Je te demande un peu de thunes. Est-ce que tu me dois bien ça, je pense. On va essayer de le réclamer le maximum. Donc 409, ça va trop. Mais ça, je veux bien. C'est une offre raisonnable. Voilà. Donc là, ça va être un petit peu pacifique. Donc, récupère le port du Beiping, c'est pas mal. Ça va aider un peu à augmenter nos revenus dans le secteur. Pensez avant d'agir. Et là, ce qui est bien, c'est qu'avec cette armée, on a peut-être une ouverture sur la province de Liaoxi. Donc, pour aller nous occuper des turbans jaunes là-bas. Comme ça, on occupera un nouveau grand bourg. Pourquoi on a perdu du prestige? Curieux ça, bon bref, tant pis. On a des généraux là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont pas contents, je suppose. C'est pour ça. Ok. Altesse, j'espère que tout va bien. Par contre là, la prudence dans le doute, je vais commencer à ramener l'armée de. Comment il s'appelle déjà? Lui, je retiens pas son nom. Yang Wai, et je vais l'amener vers la ligne de fer de Dong. Pas du Dong, hein, pas Dong Zhu, hein, non, non, ça n'a rien à voir. Aucune ferveur n'est inépuisable. Donc là, comme ça, là dans le nord, on gagne un territoire, peut-être un deuxième. Et si on a un peu de chance, il nous cédera la province du Liaoxi avec de l'argent potentiellement. Et si j'essaye de négocier plutôt ça. Alors attends, je vais rester avec lui. Auriez-vous des termes à discuter? Bon, vous allez me dire, ouais, je sacrifie mes auxiliaires, mais bon. Honnêtement, à part le général de cavalerie, là, enfin, le truc de formation de cavalerie, il n'y a pas grand chose qu'on me demande quoi. Donc là, regardez, échange des auxiliaires. Troc. Je troque ça. Bon, admettons pour le cheval. Ah non, je l'ai déjà échangé. Ça nous fait quand même déjà rien qu'avec deux auxiliaires, on gagne 10 points. Un petit échange de nourriture. Ah, ça suffira même pas, bon. Bon, c'est pas grave, déjà on va aller monter notre armée vers le bourg au nord. Ce sera déjà pas mal. Laissez le désir modeler vos passions. Et je garde mes sous pour monter les autres bourgs, en particulier Taiyuan et Yamnen.
On passe le tour. Un épisode d'affilée où il n'y aura pas eu trop d'action. Bon. Des fois, la diplomatie, c'est pour plus mal non plus. J'ai envie de dire, pour être tranquille. Et bon, on récupère quand même, je dis ça comme ça. Bon, la seule conquête qu'on a vraiment fait, c'est contre Pei Yuan Shao. On récupère quand même deux territoires intéressants pour avec la diplomatie. Nous n'entreprendrons rien contre vous. Bon, tu rêves. Vous demandez la lune. J'ai demandé à la lune une référence. Lui, ouais, ok. Il me déteste, le grincheux de service. Ah, et donc, c'est tenu par Sun Jian, le tigre de je ne sais plus quoi. Oh, il y a une guerre qui se prépare là. Ah, super. On a réussi à construire un bâtiment d'administration de colonie. Ah, une deuxième mission de fait. L'esprit revient, Yu Chunzu. Ok. C'est notre espion. Alors, mais qu'est-ce qui va pas encore? Pourquoi il qu'est-ce qui cloche? Il ne faut pas se forcer à l'impossible. Ok, bon. Nos hommes sont en position. La vérité est un feu inextinguible. Alors toi. Pour l'harmonie. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu râles? T'as des accessoires, ok. Qu'est-ce que je vais te donner, toi? On a quand même pas mal de cavalerie de mêlée. Ça, c'est bien, je trouve, pour un stratège. On va lui mettre la clepsydre. Voilà. Quoi? T'as un arc. Tu as un arc, toi, mais j'ai peut-être une meilleure idée. Je vais plutôt te donner ça, toi. Hop. Ok. Elle est où, sa soeur? Je réponds à votre appel, Altesse. La soeur de l'autre, là, hop. Après, t'as 10 de portée de campagne, c'est pas négligeable. Mais bon, pour le moment, j'en vois pas trop l'utilité. Ok, bon. Allez, on va remonter Taiwan au niveau supérieur. On a 3 affectations ici. Ça fait quoi, toi? T'as des revenus industriels ici. C'est parti, on va booster ça. On monte la mine. Hop. Enfin, la ville au niveau supérieur, bien sûr. Et la prochaine ville qu'on améliore, c'est Yamnen. Donc comme ça, je pourrais monter le temple, si je peux, au niveau 3, tu vois. Et voilà, je pense que ce sera tout. Ouais, ça devrait être pas mal. L'armée de mon autre général qui arrive ici, donc c'est pas mal s'il y a un nouveau front à créer plus tard. Ouais, bon là on commence à être une bonne situation dans le sud, dans le nord ça se calme aussi. Bon, avec des échanges d'objets, bah ça, moi ça me choque pas personne. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, ces deux territoires récupérés via la diplomatie, si ça vous choque ou pas, j'aimerais juste le savoir. Roleplay, certains diront, mais bon. Je pense que des fois, une petite ristourne, j'ai envie de dire, ça passe quoi. S'il n'y a pas de scandale, et là je vais peut-être voir si je peux trouver un assaut ou pas. Pour réagir avec promptitude. Donc je vais faire une sauvegarde. Hop, si jamais je me plante, mais je pense. Ça nous permettrait d'obtenir la moitié du Yaoxin, dont le bourg principal. Une marée tumultueuse érode la pierre. Oh, ça va. Allez, déclaration de guerre. À l'attaque! Submergez-les! Donc on a des arbalétriers, des trébuchets. Non. Ils ont une petite armée, on peut les assiéger. Ils se calmeront. Là, regardez, Gonsundung, là, il est en train de fondre. C'est une perte de temps. Il ne me demanderait pas grand-chose pour l'outilleur. Honnêtement, c'est plutôt acceptable. Si je récupère juste l'outilleur, là, ça me va très bien dans le nord. Donc, je vais juste poser le siège, on va voir comment réagissent les turbans jaunes et révoltés. Nous vous offrons volontiers une chance pour l'honneur.
Tu te rends compte que c'est juste à côté d'eux? Enfin, quoique, ouais, je vais accepter. Vous faites preuve de sagesse. Si on peut récupérer Luo Yang. Ah, le bout il va nous détester, j'ai l'impression. Ouh, le bout il est là-bas, d'accord. Kongong qui vogue avec ses armées vers l'ouest. Lui s'est replié pour l'instant. Contre là, j'ai peut-être fait une erreur. Ouais. Et c'est. Et moi, j'avais pas signé pour une guerre de bonne. Demande si ça a pas été un peu gourmand là. Alors toi, écoutez vos intuitions. Tu vas me poser ce siège ici. Tu peux exiger la reddition si tu veux. Non, ils veulent pas. On va. Alors, ils sont combien? Ah, ils sont 2000 quand même, hein, les mecs. Ça va, tranquille, 2000. Je vais faire une sauvegarde rapide. Je vais affamer l'ennemi. Je vais laisser sortir. À la guerre! On a beaucoup de cavalerie. C'est un de nos avantages niveau, niveau force. Bon, bah, cette armée-là que j'ai envoyée dans le vent à Boai. Eh bah, elle va vite se revenir. S'il pouvait revenir au moins à Idong, ce serait parfait. Je vois pas Lubu attaqué par la province de Xie qui est gardée par Liu Bei, pardon. Donc par contre, le Liu Yang est ici, ok. Alors, Zeng Jian, toi, t'es où? Où sont mes trésors? Tu pourrais te mettre là, tu seras à combien? 42% si je comprends bien. On va se mettre là à 34% de mouvement. Une petite embuscade des familles. Ils se font avoir à chaque fois. Donc là, la cité est en train de monter. Est-ce que je l'améliorerai pas tout de suite? Voilà. Toi, tu vas monter aussi là. Ok, c'est pas mal. On pourra faire quelque chose ici. Force militaire, ouais. Ça, c'est pas mal. Patrouille. On gagne une garnison supplémentaire. Pourquoi pas aller? Parce que vu que c'est proche de nos frontières, ça pourrait être un bâtiment intéressant ici. Donc là, j'ai ma deuxième armée en Par réserve. devoir, Donc est-ce je qu'elle est bien sens la gardée, la chaleur mine? familière du foyer. Ouais, quand même. Ah, ouais, quand même. Je m'attendais pas autant Les d'hommes. rires remplissent ces lieux. Mais pourquoi pas? Donc là, ce que je vais faire, je vais rapatrier mon armée. Préparez-vous à partir. Alors, où est-ce qu'ils sont eux? Le Yingchuan est là, ok. Nous répandrons la loi. Donc lui, je le ramène en marche forcée aussi. Putain, si on arrive à récupérer juste la Yingchuan. Si l'autre il s'empare du Yingchuan, ça serait cool. Comme ça, nous Attention. derrière, on lui tombe dessus. On a un prétexte pour envahir tout le Yingchuan, quoi. Là, on aurait une nouvelle province ici, on fait la joie et on sécuriserait notre progression ici. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est Edong. Et j'ignore si Lubu va passer par là ou pas. C'est ça le souci, quoi. Là, normalement, il n'y a aucun accès, que je sache, vers le nord Yamnen. Donc, je pense que là, on a plutôt fait une guerre assez risquée. Ça, c'est un fait. Mais je pense qu'elle peut nous rapporter gros à long terme. Voilà. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode 11 avec la campagne de Zeggen sur Total War: Three Kingdoms. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, Non, n'hésitez pas à impossible. lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à Impossible. la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre les actualités et autres. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description de chaque vidéo. Voilà. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.